nous revoici pour un mini-épisode où je vais essayer de ranger un petit peu et d'organiser le bordel qui est sous mon deuxième bureau. La première chose, bien sûr, c'est de faire un petit peu de place et de voir qu'est-ce que je dois jeter et qu'est-ce que je dois garder, puisque je garde souvent beaucoup de merde, juste pour le principe, et parce que peut-être potentiellement j'en aurais besoin. Donc j'essaye de faire le vide pour pouvoir réfléchir à comment est-ce que je vais résoudre ce problème. Et bien c'est relativement simple, je vais rajouter une étagère. Donc je mesure un peu les dimensions, la hauteur d'abord, et ensuite bien sûr la largeur, pour savoir si mes tasseaux que j'ai récupérés d'autres projets peuvent éventuellement faire l'affaire. Le principe va être relativement simple, couper deux tasseaux dans la largeur qui vont venir se visser sur la structure déjà existante et recouvrir ça avec deux tasseaux et de l'OSB que j'ai acheté super pas cher au magasin de bricolage du coin. Donc, comme vous le voyez, c'est un espace un peu exigu et mon gros ventre et mes grosses fesses ont du mal à rentrer là-dedans. Et malheureusement pour vous, vous risquez de voir mon dos et mes fesses relativement souvent. Je mesure à 50 cm et je fixe le premier tasseau. Je fais la même chose de l'autre côté et on va pouvoir passer au grand tasseau. Je les scotche l'un avec l'autre pour pouvoir faire une découpe unique. Et je mesure à 1m72 qui est la taille de tout ça. Et je le coupe bien sûr avec ma scie japonaise, ma très chère scie japonaise. Vous voyez un peu la structure qui commence à prendre forme. Et là, je fixe le premier tasseau horizontal. Je vérifie avec le panneau d'OSB qui est une dimension de 1,20 m par 60 de large que mes tasseaux sont à la bonne position. Il me manque un petit morceau d'OSB d'environ 50 cm de long que je coupe à la barbare avec ma scie sauteuse et ça me prend littéralement quelques secondes puisque l'OSB c'est un matériau plutôt facile à travailler. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir fixer les deux panneaux d'OSB au tasseau. Je vais mettre du matériel qui n'est pas spécialement ultra lourd, donc pas besoin de mettre des pieds supplémentaires ou des choses comme ça. Je vais surtout fixer quelques outils et du matériel qui aujourd'hui est au-dessus de mon bureau. Maintenant que tout ça est fixé, je vais pouvoir commencer à re-ranger une partie du bordel. J'ai pas jeté grand chose, mais ça m'a permis de faire un tout petit peu de tri. Et surtout, de pouvoir me débarrasser d'une partie des trucs qui traînaient à droite à gauche, comme par exemple mes outils électriques. Rangement. Une des clés si vous voulez pouvoir faire des choses intéressantes avec votre grotte. Et on voit que au-dessus, c'est toujours pas gagné. Mais on y travaille. Voilà, merci, à très bientôt, et que la barbitude soit avec vous.